sont tous morts. Trip, tu m'écoutes ou quoi? Trip! Trip, attends! Oh non! Oh non! C'est pas possible! Reste où tu es, Trip! Trip, ralentis. Reçois ou pas? Trip. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça?
Merde, ils ont dû barricader la porte. Je dois libérer le passage. Je devrais pouvoir détruire la barricade d'ici. Tu m'écoutes? Je te dis de rester où tu es! Tout va bien se passer, ok? Trip, tu m'écoutes? Je vois tout de suite.
Si tu me reçois, essaie de te mettre à l'abri, j'arrive! Ils sont partout. Thank you.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Espèce d'enfoiré. Tiens bon, Trip, j'arrive. C'était chez moi. Les transports sont revenus. Ils ont tout détruit. Comme tu l'avais dit. Il y a peut-être des survivants cachés quelque part. Mais ils n'auront pas laissé de survivants. On n'en sait rien. Le bunker. Ok. Ok. Conduis-moi.
sécurité est intacte. Papa. Oh, c'est vrai. Il y a bien des survivants. La porte ne peut se fermer que de l'intérieur. Ok, comment on l'ouvre? Je sais, suis-moi. Hey, où tu vas? Si on retire le restricteur des éoliennes, ça entraînera un survoltage. Les verrous électroniques du grand hall seront court-circuités, et là, ils redémarreront. Pendant qu'ils redémarrent, je les désactiverai. Ok, d'accord, mais c'est faisable? Oui, viens avec moi. Je dois faire monter le courant à environ 15 000 kW. J'espère juste que les générateurs n'ont pas été endommagés. Excellent. Ils sont intacts. Ça va fonctionner. Le grand moulin. C'est là qu'on doit aller. Les portes sont protégées par du courant électrique. Si tu les touches, tu meurs direct. On va devoir passer ailleurs. On pourrait passer par le pont en dessous. On dirait que la passerelle a été levée. Le levier de contrôle se trouve là-bas. Tu pourras l'atteindre en escaladant. Jouer. Bon, abaisse la passerelle avec le levier. Je comprends vraiment pas. Pourquoi Pyramide fait ça, Monkey? Qu'est-ce qu'ils veulent? Peu importe. Pour l'instant, il faut qu'on rejoigne ton père. Lance-moi jusqu'à cette fenêtre. De là, je pourrai monter jusqu'en haut. Toi, tu devras trouver un autre chemin. Ah!
te laisse pas décourager, Trip. On va y arriver. Merci, Monkey. Merde, des robots. Au moins, ils sont bloqués par la porte. Mais ils rentreront direct une fois qu'on aura coupé le courant. Ok, laisse-moi faire. On doit déployer les ailes pour le mettre en route. Vite, je vais te montrer ce qu'on va faire avec la libellule. Tu devrais pouvoir l'escalader par l'arrière. Il faut déployer toutes les ailes pour le faire tourner. C'est parti. Je reste ici pour contrôler le frein. Ah!
Ok. Mais ça suffit pas encore. Il faut que tu déploies les autres ailes. Tu ne peux pas atteindre les autres de là-haut. Tu devrais pouvoir atteindre les autres à partir de ce bâtiment. Enclenche le frein. Tout de suite. Ok, redémarre. Je relâche le frein. Ok, immobilise-le. J'enclenche le frein. Relance-le! Enclenche le frein. Ok, redémarre. Ok, immobilise-le. Relance-le. Enclenche le frein. Il en reste encore une à déployer. Enclenche le frein. Fais-le tourner.
Arrête le moulin. Relance-le. Ok, immobilise-le. Jusqu'au bâtiment rouge. Ok, immobilise-le. Relance-le. Enclenche le frein. Ok, redémarre. Enclenche le frein. C'est bon. On a fini. Fais attention en redescendant, Monkey. Bon, je vais déclencher le survoltage. Retourne à la porte et tiens-toi prêt à accueillir les robots. Ok, je suis prêt. Monkey, prépare-toi pour le survoltage. T'es prêt? Et comment? Vas-y. Thank you.
Ok, c'est bon. En route. Il faut qu'on retourne à la porte du bunker. Je devrais pouvoir l'ouvrir quand le système redémarrera. Ça y est, ça va couper. Merde, un chien. Tu continues. Ah!
Ça a marché? Oui. Je t'ai dit, ramène-moi, et je te libérerai. Mais j'ai menti. Les esclavagistes viennent de l'Ouest, donc on va aller là-bas. Et on va découvrir qui a fait ça. Je tuerai. Monkey, dis-moi pourquoi tu m'as rien dit. Comment ça? J'ai pas tenu ma promesse. Je sais partir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ta maison, ce qui faisait ta vie, est anéanti et tu veux te venger. Je comprends. Tout est toujours simple. Les choses sont ce qu'elles sont. On est où au juste? C'est une ancienne usine. On y fabriquait des robots pendant la guerre. Des gros. Et qu'est-ce qu'on fait là? On cherche quelqu'un. Qui? Un vieil ami de mon père. Il habite dans le coin. Il devrait pouvoir nous aider. S'il est toujours vivant. Par ici. Suis-moi.
continue. Le conseil, ne touche surtout pas à cette eau. Elle est souillée de carburant toxique. Au fait, cet ami de ton père... Comment il va nous aider? Pour trouver Pyramide, on va devoir suivre un des transports d'esclaves. Je ne vois qu'un seul moyen de faire ça. Il a un vaisseau volant? Oui. C'est avec ça qu'il nous livrait du matériel. Il suffit que je le persuade de nous le prêter. Et comment tu comptes faire ça? Je me suis pas encore penchée sur la question. Des robots. Reste là. Je scanne. Il y en a un. Non, attends. Deux, en fait. On peut pas continuer par ici. Si. On est sur un chemin qu'il a créé pour qu'on puisse lui rendre visite. Je suis venue ici plusieurs fois. Tiens, enclenche cet interrupteur. C'est fait. Ok.
déclenche cet interrupteur. Je me souviens bien, il devrait y avoir un bateau dans les parages. C'est le seul moyen de traverser les tunnels. Je crois que c'est là qu'on le trouvera. On continue. C'est par ici. Par ici. Hey. Pourquoi est-ce qu'il y a des cochons partout? Tu comprendras quand tu le rencontreras. Et la musique? T'as une explication? Ça, par contre, j'en sais rien. Mmh.
Oui, le bateau est là. Mais on a un léger problème. Comment on va l'atteindre? Je vais scanner. Essaie d'abaisser cette section de machinerie. Thank you.
ça va? Oui. Trouvons ce bateau. Allons-y avant que d'autres appliquent. Je conduis. Pourquoi des canons ? Il est équipé d'un projecteur. Compris. Dans la nature presque toute sa vie. C'est le genre d'expérience qui rend les gens un peu excentriques. Comme moi, par exemple. Mais ça les rend aussi forts et pleins de ressources. C'est ça. J'aime pas ça. Il y a quelque chose qui cloche. On a de la compagnie. Tiens-toi prêt avec le canon. Qu'est-ce qui se passe? Le moteur s'est arrêté! Eh ben, arrange ça! J'essaie!
Maintenant, trouve les commandes à l'autre bout. En avoir besoin. C'est un dispositif anti-robot. Il est programmé pour ne pas réagir face aux matières vivantes. Seulement aux robots. Détruis cette tourelle. Voilà l'autre tourelle.
Je bouge ce bordel de là. Tu as encore eu une de ces visions, c'est ça? Ça empire, ça doit te rendre fou. Tu sais, je croyais que je perdais les pédales. Mais... plus maintenant. Tu avais raison. C'est la couronne. Elle me connecte à quelque chose d'autre. Tu as encore eu une de ces visions, c'est ça? Au secours! T'en fais pas! Je vais me le faire! Je vais me le faire! Fais pas! Je vais me le faire! J'aime le faire!
Tu as encore eu une de ces visions. Je vais me le faire! Allume, c'est bien clair. Trip, c'est bien toi. Oh, Pixie! Pixie! Tu es toute seule avec eux. Où est ton père? On va suivre le transport vers l'ouest et trouver qui tire les ficelles. Et après? Je le tuerai. Ce sera dangereux, peut-être même du suicide, mais... N'en dis pas plus, Trip. Je viens. Tu nous aides? T'as des ennuis, ma belle. Vraiment? Et puis d'abord, c'est quoi ces histoires de suicide, là? Après tout, les esclavagistes sont des ennemis comme les autres. Tout ce qui compte, c'est d'avoir l'armement adéquat. Ouais. Oh... Ce transport qui a failli t'emmener, il survole le secteur du cratère. Tous les jours, sans exception depuis 6 mois. Je ne comprenais pas pourquoi. C'est pour ça que j'ai décidé d'observer ce qu'il emportait. Oh oui! Et pièce par pièce, j'ai enfin réalisé ce qu'il faisait. T'as parlé d'armement. Lequel? Et voilà le Léviathan. Enfin, je l'appelle comme ça. Ils construisent un robot. Énorme! Le plus grand robot jamais créé. Avec ce genre d'armement, on peut anéantir n'importe qui. Alors on va attendre que le transport revienne demain et on le suivra dans ton vaisseau volant? Exactement! Mais avant de pouvoir décoller, il va nous falloir des pièces détachées. Heureusement, je sais exactement où en trouver. Bon, c'est là qu'on va trouver le distributeur. Tu devrais rester là, Trip. Faut être costaud pour grimper ça. Un truc d'homme. On est capable.
Venez, c'est par ici.